c'est un des matins les plus difficiles de l'année. Je suis un peu en avance, il est méga tôt, il est genre 5h. Oh, on entend les petits oiseaux, par contre ça c'est trop cool. Nous sommes partis pour une nouvelle journée trop cool. Bon, je savais que mon vélo allait être tout mouillé. Du coup j'ai trouvé, que ça pour protéger ma selle. Oh, j'ai pris un torchon, mais ça marche jamais. Oh, est-ce qu'il va rentrer? Alors oui, ça rentre, mais... Comment je vais faire du vélo comme ça? Bon, il y avait juste un truc. Ah ben c'est bon, voilà, très bien. Je pensais que ça serait difficile là maintenant, et en fait ça va. Ça va très très bien. Juste le réveil était un peu difficile. Mon réveil était à 4h30. Je ne me lève jamais à cette heure-là, normalement, hein, on est d'accord. Je ne me lèverai absolument pour rien d'autre que pour aller en concours ou pour Goldie, hein, c'est clair. Je me suis couchée à 22h30, je crois, et je me suis endormie assez rapidement, ce qui est très très rare, parce qu'à la base, moi, j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Mais moi, j'ai plus de stress du tout, en fait, la veille. C'est plutôt quelques heures avant l'épreuve que je commence à stresser, quand je me prépare. Mais sinon, j'ai quasiment plus de problèmes pour m'endormir, donc ça, c'est vraiment vraiment trop cool. Parce qu'à la base, m'endormir, ça a toujours été vraiment un gros problème pour moi. Ce matin c'est génial parce qu'il fait pas froid, il y a quasiment personne. Je sais pas, ce matin c'est trop agréable là. Alors que je sens au fond que j'ai à peine dormi 6 heures, mais il y a un truc dans l'air là. D'ailleurs je pense m'octroyer une petite sieste dans le camion tout à l'heure clairement. Parce qu'aujourd'hui ça va être une très longue journée. Je fais la Club 1 et la Club Elite. Il y a eu question de savoir si je faisais la prépa 110, mais non. Emeline le fait par contre je crois, mais moi je le fais pas. Je me sens pas encore prête de le faire en concours, c'est pas parce que je l'ai fait une fois en cours, en plus j'étais tétanisée, donc non. Je veux d'abord le refaire plusieurs fois en cours si j'en suis capable, et ensuite je le ferai une fois en concours. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui la piste elle est vraiment très très bien, donc ça aurait été top. Mais bon, c'est la vie, pas de pression, j'irai pas sur ce genre de hauteur sans être sûre à 200%. Je pense qu'on passera pas avant 16-17h, je sais pas, même je me passe si c'est pas encore plus tard. Ça va être vraiment méga 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 long, et le pire dans tout ça, c'est que nous n'avons pas de box. C'est impossible d'avoir des box dans cette écurie. Apparemment, il y a toujours une écurie qui réserve tout, alors que Emeline a appelé genre plus d'un mois à l'avance. Donc je sais pas, ils doivent avoir des accords entre écuries, mais nous on peut jamais 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 en avoir. Donc c'est dommage. Moi, elle va faire un peu de camion aujourd'hui malheureusement, mais c'est comme ça. Après, elle est plus heureuse dans un camion avec du foin et des autres poneys que dans un pré avec de l'herbe. J'ai pas fait de pion d'ailleurs aujourd'hui, et l'écran de Goldie commence à être très long. Elle commence à ressembler à un cheval de rando. Et moi j'aime bien quand les crins sont bien courts ou piontés. Mais hier j'avais pas trop la motivation de les faire, et on s'est bien amusé en balade avec Elena parce qu'elle avait des rendez-vous l'après-midi. Donc du coup j'ai pas pu passer plus de temps à l'écurie pour faire les pions de Goldie, mais pour son plus grand bonheur puisqu'elle est allée plus longtemps au paddock. Du coup je suis un peu triste de pas avoir de pions, mais c'est pas grave. D'ailleurs le lieu où on va en concours c'est Fessenheim, et c'est là où j'avais fait ma première 105. Et c'est aussi là où Goldie avait marché sur l'orteil. Et je tiens à dire que 8 mois plus tard, j'ai toujours l'orteil bleu. Voilà. Et je pense que j'aurai encore cet été en vacances. Hein. En vrai, le matin, je trouve ça trop trop agréable d'être en vélo. Surtout que là, il fait genre 12 degrés. C'est vraiment vraiment bien. C'est rafraîchissant, ça réveille. Ça fait du bien aux muscles. C'est mon petit échauffement matinal. Peut-être que je suis zen aussi ce matin parce que je suis pas du tout en retard. Peut-être ça aussi. Alors, est-ce que je suis la première? Pour l'instant, il fait tout nuit dans l'écurie. Bon, c'est pas fermé. Bizarre cette affaire. Alors, il y aurait peut-être quelqu'un déjà. Bon, je vais laisser ouvert en tout cas. Coucou les poneys, vous dormez encore tous, je crois. Il fait tout nuit. Il y a Audrey. Il y a Audrey qui attend sagement. Et il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense que c'est Jérôme qui vient d'arriver. Loin les l'époque où j'arrivais tout le temps en première. On voit mieux comme ça. Oui, j'avoue, on voit rien.
Oh, regardez qui est là. Coucou Serge. Caressez. Bonjour. Oh, t'es tout mouillé. T'as passé la nuit dehors, toi? Ouais. Allume-moi la lumière. Qui s'est barré cette nuit? Tamise, apparemment. Ouais, c'était sûr. C'est mon mari. Coucou, Chaka. Salut. Ça va, beauté? Ah, ta crinière, c'est quand même une catastrophe. Hein. C'est pas grave. Je crois que tout le monde a faim, clairement. Tu les nourris? Ouais. Ouais, parfait. Oui, oui, je t'ai vu, Ichi. Bonjour. Oh, t'as mis toute la buée sur ma caméra. Je suis pas certaine, j'ai plus de nourrir. Ah, mon je sais pas qui y a en plus. À part Vecteur, Vecteur Jolie, le tien, je sais pas. Bah, attends, là. Grave. T'inquiète pas, Kala, je vais t'en donner un petit bout. Ouh là là, tu croques juste là, c'est bizarre. C'est bien la première fois qu'elle me croque une pomme. Comme ça, normalement, elle la mange en deux fois. Tu veux le reste, Kala? Oui. Voilà, pas mes doigts, s'il te plaît, merci. En vrai, je suis encore un peu inquiète ce matin parce que elle a été vaccinée il y a 4-5 jours maintenant, 5 jours, je sais plus. Et elle avait fait une petite réaction au vaccin. Du coup, elle avait toute une contracture dans l'encolure et tout. Et j'espère que ça va maintenant. Parce que hier, elle n'était pas encore à fond dans son assiette. Oh, elle mange pas ses grains. Après, je me dis qu'elle est peut-être routinière aussi et d'avoir ses grains aussitôt. Je suis pas sûre qu'à la motte. Ah non, à la motte, je sais plus si on les avait nourris. Mais je crois qu'elle avait pas tout mangé non plus. Tant que je vérifie. Bon, je vais aller faire mon filet à foin parce que j'ai de l'avance, mais je vais perdre mon avance. Évidemment, je ne vais rien boire du tout, donc ça sert à rien que je filme. Ah bah d'accord, super, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de foin en fait. Enfin, il y a du foin, mais pas de botte ouverte. Ah non, c'est une blague, sérieux les gars là. Pardon, il est énorme. J'ai essayé de le faire le plus gros possible parce que ça va devoir faire la journée ou au pire, j'en achèterai à l'écurie. Mais il faut tout le mettre maintenant. Première étape réussie, maintenant je vais aller passer un coup de brosse à Goldie. Bonjour! Ouh, ce filet à foin m'a épuisé. Est-ce que j'ai ma bombe, j'ai mon airbag, je vais changer de chaussures. Ouais, je change de chaussures. Mais se coucher tôt, arriver à s'endormir tôt, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Ah, je suis fatiguée encore. Ah. Bon, pas le temps de brosser, on y va. Ouais, il tient un peu crade, hein. C'est pas grave, j'ai toute la journée pour te lustrer. Ça va être bien. Peut-être qu'elle est juste trop zen en fait. Comme moi je suis assez zen là. Ah là, la chaleur. Ah, la piste de jument, c'est le truc que je trouve le plus dégueu dans l'équitation. Vraiment, c'est immonde. Ça pue en plus. Wesh, wesh, wesh. Let's go! Oh, elle est en chaleur, la peau. Bah alors, zéro excitation ce matin! En même temps, je suis calme aussi, donc c'est normal. Bah, je sais pas. Ah, une copine! Copine! Ça y est, les copains arrivent! Bah oui, ça serait pas drôle d'aller en concours sur les copains quand même. Fais gaffe que Goldie est en chaleur quand même, hein. Non, non, c'est pas le moment de lui montrer tes fesses, Goldie. Elle m'a mis une petite salade. Ouais. Tu dois être la seule personne, Charlotte, qui se lève à cette heure-là pour venir en concours alors qu'il le fait pas. Hein. Je crois.
Mais c'est une habitude ça. Ouais, quand même, c'est dur quand même. C'est pour la... accompagner le courage, la motivation. Ouais, mais bon, quand même. Moi, je le ferai pas. Je viendrai après. Non, mais attendez, je ne l'ai pas encore lâché. From your hands and your body, it hurts so much to think of you with someone else. On va juste aller chercher mon seau parce que du coup j'ai pas, je l'ai pas brossé. Oh non. J'étais sûre, Jérôme, il allait pas apprécier que je me faufile à fond ici. Je vais leur tirer le bedrailleur, j'espère qu'il y a de la place. Il y a pas de place. Et c'est parti pour le concours le plus long de l'année. Ça sent le saucisson chez toi, non? Non, ça sent bien. Ça sent quoi? Mais... Oui, ça sent un peu le mariné, t'as raison. Ouais, le caramel. Alors, allons voir le nombre et vérifier mes numéros sur FFE Club SIF. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très très drôle, qui est vrai. C'est, je ne sais pas ce que veut dire le SIF dans FFE SIF, mais en tout cas dans le reste du monde, ça veut dire sillon interfessier. Ouais. Ok, on voit pas mon écran. Oui, je me suis demandé si c'était toi qui avais allongé le siège ou si c'était ton mec qui dormait. Non, tout le temps, mais en fait il roule comme ça aussi. Ah ouais. Alors, nous sommes 36 du coup, 32 sur 36 en club 1. Bon, on n'a jamais été autant en club élite, mais ça va, donc on est 15 et je suis 14e. Je suis toujours avant-dernière ou dernière dans le club élite. Le classement, il est presque définitif. Oui, c'est vrai. Comme ça, tu sais si tu veux la remise de prix ou pas. Oh, mais c'est bien que vous êtes un peu nombreux, ça fait du challenge. Oui, non, c'est cool, moi j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. C'est Crespo 3. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on classe aussi. Oui et non, parce que. Il suffit juste de faire un sans faute. Mais oui, mais du coup, plus il y en a, plus il y a de classés aussi. Oui, mais non. Avec l'expérience, Audrey, moi il y en a plus de classes. Plus loin pour... Ouais, mais donc, en fait, faut que t'ailles au parc Himalaya-Elgar, en fait. Ah bah oui, il y a un petit monsieur qui me... Ah oui, c'est là, oui, je me rappelle. Bah elle rentre, parking, du moment qu'elle rentre... Mais au pire, ils ont un tracteur. Tracteur. Au pire, ils ont un tracteur, je te rends ton... Merci. Bonjour. Il veut pas me parler, je lui parle pas. Le gars du parking, à chaque fois, la truche, il est trop gentil et il explique à tout le temps trop bien. Mais à chaque fois, on est en mode, c'est bon, on connaît. Mais il est trop gentil, c'est tu vois. Il commence tellement vite, t'as pas. Oui, voilà. Oui, voilà. Il débite. Et généralement, le parking va se mettre même à côté. Le camion va se mettre même à côté, je crois. Si vous voulez, on peut refaire la scène où on sort de la voiture. Ah, tu peux refaire la scène. Okay. Parce qu'il faut toujours poser la caméra. Hein. Ah, la nature, le café. Ouais, mais si je bois un café matin, je pars maintenant. Bon, puis c'est toute la matinée. I wanna tell you that I think you're looking just fine. I wanna tell you that I want you by my side. The way you move your body, the way I feel inside. I wanna take you for a ride. Wanna be with you, do you want me to? Wanna be with you. On va mettre des petites ficelles. Ouais. Ouais. On va installer un petit campement. Ouais. Un seau pour chaque cheval. Une ficelle. Et j'ai oublié. Tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, Chamarie. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Peut-être vous regardez de la cabine. Tu veux nous regarder de la cabine, j'avoue. J'avoue, tu te mets dans la cabine. De toute façon, on t'entend pas quand tu cries. On entend du jamais. Oui, c'est vrai, quoi qu'il arrive, on t'entend pas. De toute façon.
J'avoue, tout le monde dort là. Ah, il y a le podium qu'on va pouvoir aller tester la première place. Ah ouais, ouais. C'est sûr. C'est sûr, j'ai prévu de monter sur la. Allez, entraîne-toi, entraîne-toi. J'arrive Audrey avec ta rose. Voilà, salut la foule en délire. Bravo, bravo. Attends, on fait la photo maintenant. J'ai pas de sous pour tout le monde, malheureusement, aujourd'hui. Alors là, c'est pas le moment de se tromper d'obstacle, Julien. Tu donnes tout, on ramène Audi à la maison. J'ai remarqué que je voudrais faire mes deux recours en même temps. Mais c'est un coup à mélanger mes tours. Parce qu'en fait, j'ai mon tour, mon premier en bas, et mon deuxième il est là déjà prêt, tu vois, il est posé, il m'attend. Non, non, fais une fois par an. Mais. C'est vrai qu'elle est quand même pas petite la P2 là. Une P2. Moi j'avoue, ça c'est une P2. Oui. Et là il y a un trop mignon petit chien. Non mais s'il vous plaît. Je vais mettre mon déchet dans une poubelle à court et piqueur. Moi j'ai aucun élève de l'épreuve. Où ils sont? On va aller faire la reco avec les petites. Et la lumière, elle est tellement magnifique, c'est trop agréable. J'aime bien ce concours. Ouais. Moi aussi, j'aime bien venir ici. C'est toujours bien. Ils ont un TPE, ils ont des bonnes toilettes. Ils ont une buvette. Ouais, ils ont une buvette avec. Ouais. Et puis surtout, ils ont des tentes, quoi. Des tentes sur la buvette là-haut. Ils ont du jus d'orange. Ils ont du trop bon sable aussi. Bon, le sable est trop bien. Attends. Ouais, pas mal. Pas mal. T'es déjà tombée sur ce sable-là, Lucie? Non, mais me porte pas de l'œil. Parce qu'elle fait la prépa 95. Ah, mais non, t'inquiète pas. Bah, moi, je suis déjà tombée. Juste ici, d'ailleurs. Juste là. Sur le sable du pas sur... Ah, oui, c'est vrai. Mais sur le double, là, sur un double ici, j'étais tombée. Et c'était très confortable, j'ai même pas eu mal. Mamma mia. Vas-y, Lucie. On est venu. On a vraiment la cour, mais il joue avec le sac à main. Ah oui, j'avoue. Lucie, sur tous les concours, à la reco, elle a quoi qu'il arrive son sac à main. Tout le temps. Mais le problème est qu'est-ce qu'on fout là? À part mettre l'ambiance, on est à l'envers, on est à l'envers. À part des concentrés. Pourquoi tu gênes les gens? Parce que du coup ils disent putain, il y a une star. Déconcentrer les gens, on fait rien. Du coup on va sortir. Les jeunes se concentrer. On va aller voir les chevaux et on va aller leur mettre du foin. Ah bah les filles elles ont déjà sorti leur folie. J'arrive pas à parler, elles parlent trop fort. Bon, je stick mon filet là. Voici la chose la plus intéressante au monde pour accrocher son fil à foin. C'est toujours pas loin, mais j'ai tout. Passé sur la petite, toujours sur du fond. Non, il y a cracotte. Ah ouais, non, elle t'a pas, tu peux y aller. Oh, jamais de la vie, moi je me mets dans ses pieds. Jamais. Non, mais j'y vais, moi, mais. J'y vais, moi, dans ses pieds. Oh, j'y vais. Je suis noire, hein. Peur de rien. Bon, c'est le seul truc très très chiant quand ils sont dans le camion et qu'on doit leur mettre du foin, c'est que tous les chevaux sont ensemble. On doit passer devant le poitrail des chevaux et c'est très dangereux quand même parce qu'ils s'y mettent un coup d'intérieur, on se fait défoncer. Non mais là c'est tellement dangereux. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Fransac, ne me tue pas. T'as oublié. Moi? Non, Emeline. Ah, Fransac. Elle va pas me tuer, Baraka. Non, c'est bon. T'entends rien? Tiens, Goldie, oui. Oh, le petit nez. La clochelotte, je sais pas où c'est la nuit. Alors, Jérôme est alsacien, nous non. Voilà, donc on comprend pas quoi il parle alsacien. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas de quoi il parlait. Non mais s'il vous plaît, ce petit mousqueton est la meilleure chose que j'ai acheté de toute ma vie en équitation, quoi. Tu valides Goldie? Je vais replonger, bah la fête est ouverte, c'est pas ça. Et c'est pas si on replonge. Ah ouais, je vais regarder si...
un gros sac, bouge-toi, t'es gros et t'es moche. J'ai pleuré. Non, non, Goldie, elle est gentille. Mais il n'y a pas de lumière sur la grande carrière. Oui, oui, si, Jérôme m'avait dit. Il m'avait dit qu'il faut absolument qu'on termine à telle heure parce que sinon s'il fait nuit. Mais bon, maintenant il fait nuit assez tard. Ouais, c'est vrai. Genre à 20h30, il fait encore jour. J'espère. Sinon, bah, à 22h, on sera en train de faire des mâches à nos chevaux. Couper des carottes avec nos dents et tout. Il y a tellement de soleil que je vais prendre mes lunettes de soleil parce que je suis éblouie. Enfin, il y a déjà super bonne ambiance au concours, c'est trop génial. Ah, je me sens mieux. Un sandwich, une merguez. Lucie a toujours tout dans son sac. Ah, ça va, c'est pas trop bien. Là, ici, c'est. Non, si, oui, ça va. C'est pas grave, j'ai deux couches. Ouais. Bon, bah, on est parti pour cette longue journée. Accommérée, critiquée. Non, mais non, on commère pas, non. On dit juste que certains poneys sont en surpoids, c'est tout. N'empêche que les enfants ont des maladies. Et que certains cavaliers n'emmènent pas très droit sur les arbres. Ouais. Et que les poneys sont gentils. Et bien ils font des super billets au moins. Oui, ils font des c'est bons billets. C'est un travail comme un autre. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as vu mon poney. Et puis je suis partie faire une sieste. Je crois que cracotte gratte. J'ai réussi à dormir tellement longtemps. C'est un truc de ouf. Il est 11h30 et j'ai commencé à dormir à 9h. Bon, je me suis réveillée plein de fois parce que les chevaux grattent à côté. Parce que du coup, dès qu'ils bougent, et ben, ça bouge l'avant du camion. Mais première fois que j'arrive à faire ça aussi bien. Bon, je pense que les filles ont déjà un peu... J'espère que ma petite Goldie va toujours aussi bien. Je vais aller la marcher un petit peu. Et voilà. C'est dur. Mon fidèle balai à cretin, toujours là quand il faut. Oh bah j'y arrive pas. La Lucie qui est là. On a nourri Goldie. Ah merci. À l'instant, on la remet dans le camion. Ouais, je vais la faire marcher là. Tu veux la garder? Oh mais ils ont fait des... Non ouais. Mais je vais la redescendre. Ils ont fait des paddocks. Senti, elle vient de monter. Ouais, ouais. Ils ont fait des paddocks. Ouais, tu restes. C'est bon, tout le monde va bien? Ouais, Emeline. Vous les surveillez, ils sont sages? Ouais. Emeline, on dirait qu'elle a passé la journée à côté de Vector dans le camion, quoi. À chaque fois que j'ai fait un plan dans le camion, on voit ses jambes. Ça va, Goldie ? C'est sûr que vous voulez pas qu'on essaye un autre ? Je pensais pas que c'était aussi... Attends, oui, Vector, il a monté. Bon, j'ai remonté Goldie déjà dans le camion parce qu'elle veut pas rester toute seule dehors, mais il y a... Bah, je suis trop endormie, on m'a demandé déjà plein de photos alors que je suis à peine de ma sieste. Je vais attendre les filles qu'elles finissent leur coco et je redescendrai Goldie à ce moment-là. Mais en fait, si elle est toute seule dehors et que les autres sont dans le camion, elle veut pas. Moi, j'espère que cette petite sieste de 3 heures... m'aura me requinquée parce que là j'étais vraiment KO hein. Franchement Ouais bah avec le réveil et en plus les longues journées comme ça même si tu fais rien t'es crevé fin ouais. De journée c'est dur quoi ouais de ouf et tu cours partout tu vas chercher les chevaux tu ramènes de l'eau ouais. Tu fais ci tu fais ça tête tu tiens Donc Goldie elle est en chaleur genre beaucoup en chaleur et tu n'avais pas pu avoir de box non
Non, bah non. Je suis toujours dans le gaz, mais je vais quand même aller voir... Ah bah parfait, c'est Audrey qui va passer. Ouais, j'ai un timing de malade. Et suivi par Mathilde, quelle chance. En vrai, j'ai toujours beaucoup de chance dans les concours, parce que je vague à mes petites occupations, et d'un coup je me dis, ah mince, il y avait Mathilde, il y avait Oriane, il y avait... Et en fait, quand je commence à chercher, bah c'est le bon timing. À chaque fois, j'ai trop de chance. J'ai aucune énergie pour encore. Et au départ, notre sarcatorne Audrey et Audrey va être déçue. Donc là, nous avons un double. Jérôme est en train de compter. Ensuite, le numéro 10 est là-bas derrière Elodie. Et accrochez-vous bien. Donc le 10 est là. Et le 11 est tout là-bas. J'ai hâte d'entendre ce que Jérôme va conseiller. Du coup, il recommande de faire comme ça. Donc, pardon, Poupée, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Donc il recommande de faire, de passer de ce côté-là. Alors que nous, il est fixe. On passe pas. Hein. Et il y a un 12. J'ai hâte de voir comment les gens vont faire. Un jaune. Ah, bravo Mathilde. Un jaune de vert. من شرقنا باب دورنا قبلنا للغريب بشي شي شي Tu veux boire ma poupette? Tu veux pas boire un peu toi? Oui, les copains ils vont sortir. Oui, les copains ils vont sortir. Oui, elle est moche. Allez, bois. Bois, Goldie, bois. Bois. Non, elle veut pas boire. Jamais. Oui. Barberousse, tu m'écrases, là. La Barbie, on faut pas abuser, par contre. Et du coup, on va remettre Goldie. Comme ça, ce sera plus simple, parce qu'il faut vraiment que quelqu'un aide la pauvre Elodie, là. Parce que si vous saviez à quel point c'est difficile de sceller un cheval qu'on a en main et qui est en train de brouter et bouger dans tous les sens au concours. C'est quoi ta selle, c'est ça? C'est un amortisseur? Ouais. Je sais pas si je mets le blanc ou le noir. D'amortisseur? Je savais même pas qu'il y avait des gens qui avaient plusieurs amortisseurs. Ouais.
mettrais le blanc, il est comment? Ah, ah, je mettrais le blanc. Et sinon, achetez Adlessia. Par contre, tu fais deux fois pour toi, quand tu tires, moi je pars avec. Yeah, I've been just picking on, picking on, picking on, picking on, picking on, picking on, you. Think about how can I, how can I, how can I, how can I, how can I get to you? I've been just picking on, picking on, picking on, picking on, picking on, picking on, you. Think about how can I, how can I, how can I, how can I, how can I get to you? 헤어지자고 아침부터 you've been going through my phone. 말해봐 내가 바보인 줄 알아 not alone. Yeah. You and I 날아가 cause we're flying for my brothers. 바보야 I got problems popping bottles. Told you 지한 밤에 때까 told you 내가 미안한다고 I'm sorry but my mind too. 난 아직 생각나 그러지 마 꼭 돌아와. Don't you ever say goodbye. 너의 태우는 내 마음 문자 보낼지 몰라. Think about you all the time. Baby 아프지 마자 tonight. Yeah. 전화하고 싶은 나 I've been sipping on the rocks. On the wine, let's just ride the lights. Yeah, yeah, yeah. I've been just picking up, picking up, picking up, picking up, picking up pieces of you. Yeah, but how can I, how can I, how can I, how can I, how can I get to you? I've been just picking up, picking up. Oui! Bravo! Ah, bonjour. Marie nous a rejoint. Ouais. Pour nous encourager. Il y a un de ces vents, mais il y a un petit soleil. Mais maintenant, il y a agréable. Du vent. C'est agréable. Ouais. Ce que Jérémy l'avait dit hier. C'est toujours le vent dans la gueule, dans la grande. Oui, mais pas sexuel. Hein, voilà. Non, pas du tout. Alors, elle est vraiment très nulle. Genre, si je me mets là, à travers ça, ça c'est quoi? Je suis... Je suis pas. Entre ses oreilles. Bien joué. On va pas jouer. Je vais pas dormir. Écoute, je me suis dit, je ferai demain, ça m'a occupé. Bien joué, bien joué. Bravo Elodie. Bravo, ouais, c'était top. J'ai cru que j'allais me tuer dans le 6. Et on a vu la main. Tu peux avoir le téléphone d'Audrey. Ouais, tu me tues en coupe. Et moi, c'est ça qui est les clés d'Audrey. Ami, t'as toujours les clés avec son téléphone. Parce qu'elle a cherché toutes ses affaires. Je dis, putain, mon téléphone. Tu veux que je donne les clés là? Ouais, ouais. Elles sont plus là, mais je pense que... Et dis-lui, c'est plutôt pas sur son téléphone d'Amine. Je culpabilise un peu de laisser Goldie au camion, mais je l'ai sortie plusieurs fois. Elle veut pas. À chaque fois, elle veut rentrer dans le camion avec son foin et ses copains. Amène-moi dans le camion, il fait trop chaud dehors. Bah non, mais je sais pas, c'est chiant quoi. Mais bon, en même temps, je vais pas. Ils sont bien dans le camion, franchement, ils ont leur foin, ils sont au chaud. Ils oui, sont surtout ensemble. En plus, vu que c'était la dernière, j'ai ouvert un autre bafon, donc ouais. Ça lui fait une sorte de box. Oui, ça. Ça me saoule parce que je me dis, la pauvre, elle passe sa journée au camion. Bon, après, j'irai bien la marcher. Moi non plus, j'aime bien me faire marcher et tout, du coup, c'est pour ça. Bah, oui. Si on peut, non, mais j'irai marcher avant, ouais, j'irai marcher avant.
malheureusement. Ah, quelqu'un allait chercher le sac plastique. Bon, je vais aller proposer à Goldie de ressortir du camion parce que je vois qu'il y a les filles qui ont leur poney dehors, donc peut-être qu'elle sera plus contente d'être dehors s'il y a les autres. Oui. Allez vous faire des petits bisous. Lana, elle est classée 5e. Bon, ça va, elle a l'air plus zen parce qu'il y a Baraka dehors, donc ça va. Ah, elle vient de me claquer la vitre. C'est bon, mademoiselle, elle est toute propre. Le roco, c'est pas encore tout à fait maintenant, mais c'est bientôt. Et vu que j'aime bien faire les rocos habillés, même si mon tour est encore dans longtemps, je vais quand même mettre ma bombe et tout. Oups, ma bombe est un peu sale. Elle est même méga sale. Crotte. Bon, je pourrais rien faire de toute façon. Mais aujourd'hui, je suis pas très. Mon cheval n'est pas pionté, ma bombe est crade. Mes bottes, ça va, elles sont pas trop mal propres parce que je les ai piontées il y a pas longtemps. Non, moi, j'ai pas fermé ma bombe. Vous avez bien entendu, j'ai pionté mes bottes il y a pas longtemps. Ta-da ! Prête. Prête pour attendre. Il y a un chien, il s'éclate. Les chiens sur les concours, ça doit être quand même les plus heureux parce que. Il gratte de la nourriture partout. Il est en train de chercher s'il n'y a pas de la nourriture ailleurs. Bon, je vais aller voir si Lucie fait son paddock de prépa 95. Et voilà ce qui se passe quand on a un coach trop stressé à nous envoyer au paddock. Aïe, je viens de me mettre un coup de ton téléphone. Lucie, t'es en retard, tu vas tout rater. Ah, Lucie, 2 heures en avance. C'est pas grave. Vaut mieux être trop près que... La reco est dans un quart d'heure, ça fait 45 minutes que j'attends. Elle a déjà fait 17 fois le tour de l'écurie. Un élastique à cheveux à toi, et toi t'as mis l'élastique pion. Oui. Je suis KO, j'ai pas de motivation et je suis fatiguée, j'ai pas un coup de barre. Et c'est bientôt la reco. Voilà. Et il fait froid, il y a du vent. C'est juste, tu peux toujours prendre tes tours, si tu veux. Tu veux prendre mes tours avec Goldie comme ça? Au pied levé. Comme ça. Alors on dit toujours d'un bon moniteur, c'est l'adaptabilité. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelait météo plein champ. Audrey, tu connaissais ou pas? Oui, c'est la météo des agriculteurs. Bah ouais. Bah moi je savais pas. Elle est hyper précise. Voilà. Écrivez-moi en commentaire si vous connaissiez, parce que moi je connaissais pas du tout. 5 minutes. Bah t'as senti une goutte. Alors oui, ciel dégagé, 18,5. 10 km de vent, 75% d'humidité dans l'air. Ah bah voilà. Ouais. Bah là, moi j'ai senti. Waouh. Ça rigole plus. Non. Hop. Oui. Là-bas, il y a Lana qui est 5e et Elodie qui est 6e. Et eh ben félicitations les gonzes. Ouais. Mais désolé, on a un peu la flemme de venir vous applaudir. Mais on vous applaudit avec le cœur de Lucie. Voilà, on pense à vous. On attend. T'as la tête dans les tulipes. Cette journée est tellement longue. On va bientôt faire la reco. Let's go pour la reco. Bon, attends, faut que je trouve mon écurie comme d'hab. Où sont-ils? Et eux, vous savez comment ils me cherchent? Ils cherchent la seule meuf en Alsace en train de vloguer dans un concours club. Ils sont tous là-bas. Bon, il y a une option qui est un peu compliquée. Les filles, elles veulent la faire. Donc, en fait, ça, c'est le 7, 8. Et soit on passe là devant l'Antares et on va sur le 9. Soit on va tout droit et on passe derrière l'Antares. Moi, je sens pas trop. Donc, je pense... Enfin, j'ai du mal à rentrer de biais dans les doubles. Enfin, faut jamais rentrer de biais dans les doubles, mais j'ai du mal. Donc je pense que je vais m'assurer un beau truc propre pour préparer le tour de Club Elite. Donc je pense que je vais passer derrière l'Antares. Et lui, on est censé le prendre de biais. Parce qu'il va arriver là sur le dernier qui est numéro 11. La reco est finie. Je vais aller... Bon, j'ai encore mon temps hein, parce qu'il y a encore une épreuve et ensuite il y a la Club 1. Regardez 2-3 partants et ensuite j'ai resté les Goldies et marché assez longtemps. Juste c'est pour l'eau chaude. Un cumulus, c'est un type de nuage aussi. Mais non.
Mais non, un cumulus, c'est un type de nuage. Un cumulus, c'est un ballon d'eau chaude. Oui, aussi. Non, c'est aussi un nuage. Ah, c'est aussi. Oui, voilà. C'est cumulus, pas un cumulus. Nuage orageux. Voilà. Un cumulus, c'est aussi un nuage orageux. Moi, j'avoue. Donc, on disait ici, il y a des gros nuages. Des gros cumulus. Des gros cumulus. Des nuages. Cumulolingus. Mais ils sont pas. Pas chaud. Ils sont pas chauds. Et effectivement, c'est aussi un ballon d'eau chaude. Ça commence. Tout le monde part parce qu'il commence à vraiment pleuvoir. Il y a vraiment beaucoup de vent là. Pourquoi nous restons là? Je ne sais pas. On a des journées baignées de soleil. On a vraiment envie de regarder la fin du parcours de la Palouza. Là, il revient. Oh ouais, moi aussi, je gardais mes lunettes. Mais... sous la... Tout le monde part. Il y a un peu de vent. J'ai fini plié dedans. Ça te protège. Oh my god, il fait froid, il y a du vent. Non, c'est horrible. Tiens, tu veux la petite pomme? Oh bah on l'a pas pris dans le sens. Ça va bientôt être à nous. C'était long d'attendre tout ce temps. Mais bon, j'ai ramené toutes mes affaires. On est en train de se diriger vers le paddock. Je pense qu'on est un petit peu en avance, mais comme ça on aura bien le temps de marcher. Et le montoir, visiblement, ça sera une chaise, génial. J'ai un peu une phobie des chaises. J'ai vu tellement de gens passer à travers, se retourner et compagnie, que voilà, ça m'angoisse. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'angoisse énormément. A toujours été très surprise de marcheurs. Je comprends, c'est bizarre. On est allé dehors pour marcher un peu, il y a tellement de vent. Oh, regarde, il y a des petits poneys. Je vais aller faire le tour de la carrière pour regarder un peu les jours passer et prendre un peu de vitesse parce que je pense que c'est plus heureux de marcher que de marcher. Ok, je viens de regarder quelques tours, donc en gros si je fais pas l'option après le 8, je suis sûre de pas casser. C'est pour ça que j'adore quand Elodie vient en concours avec nous, c'est parce qu'elle adore détendre comme moi, c'est-à-dire botte à botte à discuter. Bonjour. Do this for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she carrying silver when she keep on turning head. Cause when she woke that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back.
réflexion, je voulais pas la faire. Et quand j'ai senti mon galop se rassembler entre le 8 et... Non mais franchement, en fait mon galop s'est réduit et je me suis dit bien. Meuf, ton galop il est parfait, vas-y. Non, c'était genre, très bien. C'était un petit saut donc du coup. Évite ce genre de choses. De changer d'art. Oui, Jérôme n'aime pas trop l'improvisation. Moi je suis une artiste, j'y peux rien. Ouais. Non mais oui, mais c'est aussi suivant. C'est suivant ce qui se passait aussi. Ouais, mais j'essaie de me préparer. Mais non, mais j'ai senti mon galop se réduire. Je me suis dit, meuf, tu vas avoir un petit saut, autant y aller. C'est si j'avais eu un gros saut. Mais je l'aurais pas fait. Essaie de décider avant d'aller en piste. Oui, GG. L'adrénaline à la sortie d'un tour, on est vraiment, vraiment satisfait et fier. Elle est incroyable. Et quand vous y avez goûté une fois, vous pouvez plus vous en passer. Allez hop, dans leur patte. Ah bah non, attends, moi je le fais encore ma clubélite. Je sais pas si ça. Ah, on rentre pas. Mince. Bah non, il y a encore Emeline en plus. Est-ce que vous voulez que je vous désespère? Oui. T'as vu mon tour, Emeline? Hein? T'as vu mon tour? Oui. Oui, c'est trop bien. Bon, il en restait encore 4 derrière moi, je crois, donc on saura plus tard. Mais pour l'instant, 5e au provisoire. Hey, tu sais, Elodie, tu m'as entendu serrer les dents dans le virage ou pas? J'étais comme ça. La bourrasque, mais toi aussi ou pas? Oui, c'était pareil. Bon, il nous reste la clubélite, donc on reste concentré. Bravo. Et voilà, elle s'en fout comme d'habitude. Trop fière, ma poule. Tout le monde a dit qu'elle était trop belle. Je suis trop fière. Vraiment, et quand je suis partie sur mon tour de club 1 dans le virage, je me suis dit comment ça va être trop bien, je sens. Genre, je me sentais de ouf, genre le galop était trop bien, quoi. Bravo, ma fille. Je te laisse manger. Je vais te mettre deux bas-fonds pour que t'aies un peu plus de place. Oui. T'inquiète pas, je reviens bientôt, t'inquiète pas. Oui, mon bébé, bravo. On n'est pas des bad girls, vous inquiétez pas. On sort juste là. On devait parceller tout de suite. Il devait y avoir 29 partants dans la prépa 105. Mais Emeline est déjà rentrée au paddock. Et elle est numéro 1 ou 2, je crois. Et nous, on est numéro 13, il me semble. Donc normalement on devait pas rentrer tout seul, c'est incroyable de le dire. On devait pas rentrer tout de suite, mais bon bah du coup on m'a dit d'aller sceller, du coup je suis allée sceller. Voilà. Goldie, elle est on fire. Mais c'est bien, j'aime bien quand elle est on fire. J'avais peur que le vaccin l'a tué ou ses chaleurs la rendent capoute, mais pas du tout. Voilà, c'est 6-9, donc c'est pas du tout moi. Pas du tout, j'ai encore le temps, c'est ce que je disais, j'avais encore le temps. Allez Julia. I might wake up at noon, then maybe it's news. Yeah, I'ma just do what I want. I don't need no approval, I'ma just do whatever I feel like. Going out all night with my friends, spend the whole day just laying in bed. Please don't mess with my mood, don't say what to do. Yeah, I'ma just do what I want. I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. I'm getting so sick of people trying to tell me what's wrong or right. Losing my patience, I don't care about what you think, no. I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. J'étais KO, mais ça a été absolument un tour incroyable. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light.
Emeline, elle est partie au ballon. Il y a Emeline qui va passer son tour. J'aimerais bien le regarder aussi, mais on va devoir le regarder loin parce que je suis avec Ulti. Pauvre Emeline, le niveau de pression doit monter. Donc je rappelle, c'est la première prépa 110 que Emeline fait en concours. Ah, c'est parti. Ah non, c'est l'autre avant. C'est vrai que c'était la bonne case, mais au vu de nos deux classements d'aujourd'hui, je pense sans regret de ne pas avoir fait la 110. Toi, tu vas pas louper ton podium quand même. Merci beaucoup. Ah merde, il faut que je filme. Emeline, tu peux. Il y a qui peut filmer? Poppé, donne vite à Poppé le téléphone. En fait, il y a notre remise de prix et il y a Emeline qui passe en même temps. Donc ça nous embête de rater Emeline parce qu'on peut pas la filmer. Mais en même temps, on aimerait bien faire notre remise de prix normale. Vite, cours! Cours! Allez Emeline, t'es la meilleure! Il a l'air déjà plus calme là de toute façon. Allez Emeline! Pense à la motte! Tu vois, les foulées, elles viennent déjà mieux. Pense à la motte. Bah elles viennent mieux que. Bah non, mais c'est vrai. Mais c'est nous les gagnants aujourd'hui. Putain, t'as pas ma bombe de toi en plus. Ouais. Oui. Gérer, hein, vraiment. Oui, on est déjà passé. Oui, on est passé. Elle est troisième. Et moi aussi, je suis troisième. Oh, j'ai deuxième, mais il y a quelqu'un qui m'a foutu juste après. Putain, ouais, juste après moi. Pas de chance. Allez, Emeline! Allez, Emeline! Allez! Allez, le dernier, Emeline! Le dernier! Bon, tu sais que moi, avant le dernier, je me suis fait un gros coup et je me dis patience. Oui, bravo! Jérôme, il a passé sa meilleure journée ou pas? T'as gagné, Lucie? Ouais, c'est ma place. T'as gagné un chien? J'ai gagné un sac à main! Et un enfant. Ouais. Lana Stein! Elle a Audrey à déceler Goldie. Oh, elle est trop gentille. Déjà dans le petit camion. Non, elle est pas dans le camion, elle a la main là, je crois. Et on va rentrer à la maison, il est 19h15. Mais quel bon coup! 6h! Ah oui, j'avoue! C'est vrai. Oh, Julia! T'as eu quoi? Je sais pas, j'ai pas encore regardé. J'ai eu des bandes et. J'ai eu un licol. Oh! Un licol moche. Ouais! En plus, c'est les pires, regarde, c'est ceux qui seraient comme oui, ça là. Oh. C'est lourd, c'est une pierre à sel. Ah, ouais. Ah bah, l'école moche aussi, rose. Oh, oh bah, je veux bien. Oh, il est rose. Mon Barbie. Elle va te retrouver. Tiens, je t'échange ça contre Goldie. Ah oui, ça marche. Et à la maison. T'as oublié tes lots pour te mettre dans le camion avec le poney? Bon, du coup, garde ton poney, moi je garde les lots. Y'a quoi? Un licol moche. C'est qui la scène? Ouais, un fixe! Mais non, j'avais oublié Nino. Je me suis très bien qu'elle était là. Il est bête de l'oublier. Julia, tête en l'air. Mais évidemment, je lui oublie ça, c'est. Je peux pas me téléporter. Elodie, t'oublieras pas ton sac, hein? Oui, maman. T'es heureux ou pas de cette journée? Ah ouais. Il faut savoir que Jérôme est toujours très 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 fier et très heureux pour nous quand on gagne, mais il ne le communique pas beaucoup. J'ai d'ailleurs appris ce jour qu'il avait été récompensé l'année dernière pour être un des meilleurs coachs d'Alsace. Et il nous l'avait même pas dit! Le plus long concours de l'année se termine enfin, il est 19h30. Ils ont même pas mis de la moumoute quoi. Oh, c'est un sans moumoute.
Lily Rose, ça va. Je pourrais pas le cliquer celui-là. Regardez, on a fait le shopping là. C'est un peu dur par contre. Je pourrais pas le cliquer celui-là, il est rose parce que j'avais déjà cliqué un. Toujours garder sa bombe dans un champ. En voiture. Je suis officiellement classée pour la Club Elite pour la botte. Ah ouais? Ouais, putain, trop bien. Trop cool. Parce que du coup, il me manquait 10 points sur les 90 points et il me manquait 20 points, je crois, sur le total des 180. Et là, j'ai eu 20 points en Club Elite et 16 points en Club 1. Ouais, donc c'est bon. Du coup, tu vas faire Club 1, Club Elite? Non, c'est pas encore décidé que je fasse la Club Elite. Mais je suis qualifiée, donc maintenant que j'ai le choix, tu vois. Non, mais maintenant, je me détends et maintenant, je me concentre à faire des 110. Ouais, ouais. Ou pas. Ou pas. L'année prochaine, je reviens pour la 110. Et les gars d'Akini. Il y a Cognac qui est là. Excusez-moi, mais il est l'heure de rentrer à la maison. Je l'ai découvert avec Jeanne. Coucou Cognac. Ah bah oui. Putain, c'est long quand même. C'est la cathédrale ça. Ah oui. Ah oui. Tu vois aussi bien que ça. Ouais. Tu peux t'arrêter pour que je fasse un joli plan sur la cathédrale. On pose la caméra, même après on avance. Nous voilà à la maison. Oui. Tu sais que quand j'étais au lycée, j'avais un scout. Je ne raconte pas ça en mode gratuitement, hein. C'est parce que Elodie vient travailler à l'écurie en scooter. Ah ouais, j'oubliais tout le temps mes clés. J'allais sur le parking du lycée et j'oubliais tout le temps mes clés sur le scooter. Ouais, c'est tout le temps. Il y avait Après je cours en mode ah mes clés. Et après il y avait toujours quelqu'un à la non non, il y a le camion qui arrive. Bah limite faut ouvrir l'autre, tu veux pas? Le camion qui arrive. Ouais, bah Lucie ouvrira l'autre volet. Ouais. Et il y avait toujours quelqu'un de gentil qui ramenait mes clés à la vie scolaire. Ah ouais? Ouais, trop sympa. Putain, à chaque fois. Les gens, c'est ouf. Moi, Jason me voulait au moins 400 fois. Ici? Ah bon? Derrière là. Et après, on m'a volé mon casque. Ben, quand je travaillais pas ici, non. Le camion vient d'arriver. On va donc aller aider et décharger. Wesh, il pleut. Moi je propose que les classés n'ont pas à nettoyer le camion. Ah bah du coup il y a personne. Dans les temps. T'as vu l'état du camion? Allez. Bah oui, c'est vrai qu'effectivement on n'avait pas de box, donc du coup ils ont tous passé la journée au camion à peu près, donc du coup il va être bien dégueulasse, surtout le long. Goldie, si tu peux éviter de glisser. Goldie, ne tombe pas. Ne glisse pas, meuf. On rentre vite. Personne. Hop. Prends dans ta patte. Ça va, ma fille. Je me ferai traîner de A à Z du début de la Club 1 au box. Et oui, il y a plein de points pour toi. On va te retirer ça. Je vais nettoyer le camion. Ah non, je vais te retirer les guêtres d'abord. Il y a ta copine qui arrive aussi. Bon allez, let's go nettoyer le camion quand même. On va pas laisser Jérôme tout faire. Pris la pluie. Pas cher, pas cher. Il y a des sons, des joli sangle, 5 euros. Ouais, moi, c'est à moi. Ah, ok, d'accord. Magnifique foin. Tapis, j'aime. 10 euros, tout neuf. 10 euros. Et jumeaux aussi, pas cher, pas cher. Jumeaux ouais. Pas cher. Double classement. Voilà. Remporte des Club Elite presque. Bon, on va tous ranger nos affaires. Je vais aller faire un petit match à Goldie. Il y a quelqu'un qui a chié sur sa porte. J'ai une petite carotte pour toi. J'ai oublié de vous montrer mes lots. Attention, c'est pas l'écurie, on a des trucs dedans. Donc. Un licol rose. Qui va certainement finir à l'écurie, hein, clairement. En vrai, s'il a la taille de Goldie, pourquoi pas en fait? C'est un taille cut.
C'est en taille, je ne sais pas, full. Ah, oh, ça a l'air petit. Ah non, ça a l'air très grand. Je sais pas, il est tout retourné là. Plaque flow, évidemment. Ça, c'est les trucs que je préfère. Des bonbons que j'ai déjà mangé. Un Twix et deux carottes que je vais lui donner après. Ça, c'était pour la club élite matin, la club 1. Des bandes qui sont très jolies en plus. Et c'est des bandes de polo en polaire. Goldie, ne touche pas ma caméra. Goldie, va voir ton fin là. T'aimes pas faire les unboxing avec moi. Elle veut regarder ses lots. Bah, regarde, des bandes de polo qu'on ne mettra sûrement jamais. Non, c'est trop bien. Mais elles sont bleu marine, elles sont trop bien. Encore un tweet, encore des bonbons, trop bien. Ça, c'est ce que j'aime trop. Encore une plaque et encore un flow. Il faut absolument que je remette toutes les plaques là que j'ai collectionnées sur le box de Goldie. Et je vais raccrocher mon petit flow sur mon casier. Et encore deux carottes. Et je vais les donner maintenant. J'avais déjà mis deux carottes dans le mash, mais j'avais oublié que j'avais eu celle-là. Choisis lesquelles en premier. On dirait des oies. En celle-là en premier. Ah, tu les prends toutes en premier. Et sur ce, bah, on vous fait un gros bisou et à plus pour le prochain concours. Ah oui, je t'ai pas dit toi. À bientôt. Je t'ai pas dit, je suis qualifiée pour la club élite. Pour la mode, ça y est. Papa, papa, ça mérite un peu. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find another way to say this, but I think